Bonsoir Marine. Bonsoir. Comment a été l'expérience? C'était une première pour moi, une première réussie. J'ai vraiment apprécié cette soirée. J'ai apprécié retrouver Noémie et je suis très contente de la gagnante. Oui, parce que j'ai l'impression que vous et Noémie, vous êtes devenus de proches amis. Oui, on est devenus très amis depuis ce concours de Miss Monde. On est toujours en contact et voilà, j'attendais le moment pour venir lui rendre visite en Belgique. Et voilà, et ce soir, je trouvais ça important d'être là aussi pour l'épauler alors qu'elle remettait sa couronne. Mais cette fois-ci, vous étiez à l'autre côté parce que normalement, vous êtes sur le podium. Oui. On est nerveuse quand on est finaliste dans une finale? Oui, une finale nationale, une élection de Miss comme celle-ci, oui, j'étais très nerveuse. Après, il faut essayer de ne pas l'être pour essayer d'être la plus naturelle possible. Mais en tout cas, oui, chapeau à toutes les filles parce que c'est vraiment difficile comme expérience. Pour vous, quelle est la définition d'une bonne Miss Belgique? Pour moi, je dirais une bonne Miss en général, parce que je pense que c'est un peu pareil dans tous les pays. C'est surtout une fille qui est intéressante et qui a envie d'être proche des gens, d'aller au contact des gens. Si vous comparez ce concours avec celui de Miss Monde, par exemple, ou de Miss France, il y a des grandes différences? Oui, il y a quand même pas mal de différences. En France, toutes les filles qui participent sont représentantes de leur région. Ici, il y avait des candidates qui étaient aussi premières dauphines ou des candidates qui n'avaient pas été élues dans leur région. Donc c'est un peu plus ouvert, je dirais. Et la grande différence, c'est que ce soir, le jury, le public et le comité a voté pour choisir la Miss. En France, c'est le public à 100%. Et vous avez une préférence pour une des deux formules? Non, j'ai pas vraiment de préférence, c'est différent. Le concours Miss France existe depuis très longtemps. Je sais pas où en est le concours Miss Belgique, mais je pense que ça va encore évoluer. Vous avez vraiment fait carton au Miss Monde, mes félicitations. Comment est-ce que tu expliques ton succès là-bas? Je l'explique toujours pas. Je suis toujours en train de me poser la question de pourquoi. Mais je pense que j'ai séduit par mon naturel. Et le fait que je sois étudiante en médecine et très proche des associations, je pense que ça leur a plu aussi. Comment est-ce que vous voyez votre propre avenir? Écoutez, moi j'ai repris les études de médecine. Donc je suis en deuxième année. Et puis je vais continuer de faire des événements en France pour des associations et aussi quelques événements à la télé. Voilà. Je vous souhaite un avenir splendide et merci pour cette interview. Merci beaucoup et bisous à toute la Belgique. Ingrid, hoe kijk jij terug op de ervaring vanavond als jurylid? Ja, voor mij, ik vond het een hele goede keuze. Ik vind dat meisje heel mooi. Ze is echt elegant, ze is echt fotogeniek en ik vind het een perfecte keuze geweest. Als we vragen naar jou, top 3, wie was dat? De Anissa en dat andere meisje Laura. Dus het stemt eigenlijk wel overeen met jouw persoonlijke keuze? Ja, ja, dat stemt overeen met mijn persoonlijke keuze, ja. Anissa, ik heb wel een soft spot voor Anissa gehad. Ik vind ze echt mooi, een mooie glimlach, elegant en ook heel natuurlijk als meisje. Echt, en ook Daniel de Dave, fotograaf, zei die dat hij ze echt heel goed meedeed met foto's en zo. Je hebt je drukke carrière onderbroken om hier te komen jureren. Nog eens terug naar de roots, want je bent afkomstig uit Menen. Ik ben afkomstig uit Menen en ben heel blij om hier te zijn in West-Vlaanderen, in de Pannen. Ja, ik ga eens morgen mijn familie gaan bezoeken en dan terug naar Parijs en dan terug naar New York binnen een paar dagen. Ja, ik heb zo een beetje opzoekingswerk gedaan en je bent ook echt wel internationaal een heel bekend model. Ja, ik denk het. Ja, ik heb ook ontdekt geweest eigenlijk door een grote wedstrijd, die Elite Model Look is. En ik was ontdekt geweest dan 18 jaar oud en mijn heel leven heeft totaal veranderd. Van gewoon een meisje dat leefde en ging naar school in Menen en die economie en talen bestudeerde. En totaal, ja, ik heb de finale gedaan in België vertegenwoordigd en ik heb dat gewonnen voor de hele wereld. En voor mij heeft mijn hele leven plots veranderd van, totaal veranderd. Je hoort soms gruwelijke verhalen over de harde praktijken van modellenbureaus en modellen onder elkaar. Is dat zo? Nee, ik heb dat wel niet meegemaakt. Nee, ik kan niet zeggen dat dat zo is. Nee, maar ik heb ook enorm bezig geweest, enorm veel gewerkt. En ik denk het niet. In mijn milieu heeft dat zo niet geweest. Nee. Welke raad zou je geven aan meisjes die dromen van een modellencarrière? Blijf natuurlijk. Blijf doordoen. Als je iets wilt, dat kan je het bereiken.
En ja, geeft toch wel je studies niet op, want de studies zijn belangrijk. En ja, als je talent heeft en als je je goed voelt, als je dat echt wilt doen, dan moet je gewoon doorsturen, ja.